Good morning, allez, Eden, je serai aujourd'hui le Nishma, François Vajib Ben Khana, Janine Rudbat, Ben Shalom et Shalom Ben Linda. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions Maseret Pea, Perek Zayin, Mishnah Bet. Zayit Shenimtsa Omed Ben Shalosh Shurot Shel Shnei Malbenin, Ushchacho, Eno Shichecha. Zayit Shereshbo Saataim, Ushchacho, Eno Shichecha. Ben Midvarim Morim, Bezon Shalou Itchilbo. Aval im itchilbo, afilu kezait anetofa bishato ushchacho, yesh lo shichecha. Kol zman sheyesh tachta, sheyesh lo tachtav, yesh lo berosho. Rabbi Meir omer, mishitelech a machave. On continue avec la shichecha dans les oliviers. D'accord? On avait vu qu'il y a certaines particularités dans les oliviers, étant donné que chaque arbre, on se retrouve facilement avec des arbres qui ont une importance particulière, donc forcément, ils ne sont pas considérés comme oubliés. Là, cette fois-ci, on va voir encore une autre particularité qu'il y a dans les oliviers, c'est que « Zayit shenimtsa omed ben shalosh shurot shel shnei malbenim » ou « shchacho ». Je vous explique d'abord très l'idée générale dans le Mishnah. On a en fait 9 oliviers qui sont 3 rangés, une à côté de l'autre. D'accord? D'accord, on a 3 oliviers. Et on va parler de l'olivier au milieu, celui qui est encerclé de 8 oliviers, en fait, de tous les côtés. Et la particularité qu'il a cet olivier, c'est que Eno Shichecha, il n'a pas besoin de comme Shichecha parce qu'on a les autres arbres qui le cachent. C'est-à-dire, imaginez qu'on a des oliviers plantés. D'abord, je donne le principe, après, je vais expliquer chaque mot. Donc, on a des oliviers qui sont plantés de manière relativement, condensée. D'accord, on en a 9. Il y en a un au milieu qu'en fait on a oublié de le cueillir. Vous savez pourquoi on a oublié de le cueillir? Parce que les autres arbres, ils le cachent. Quand tu viens, chaque fois que tu le vois, c'est un endroit assez ombragé, les branches s'entremêlent un petit peu, et s'avère qu'à cause de ça, tu ne l'as pas vu. Dans ce cas-là, il n'est pas concerné comme une shichecha parce qu'il est caché par les autres. D'accord? C'est la Mishnah qui vient de me dire ça. C'est le principe de la Mishnah. Maintenant, c'est-à-dire qu'en fait, tu n'as pas encore commencé à toucher Bichlal, cet olivier-là, parce qu'il était camouflé par les autres, et donc il n'est pas concerné comme une shichecha. Maintenant, précision, la Mishnah s'est exprimée de manière assez originale, parce qu'en fait, vous savez que entre les arbres, forcément, il faut toujours laisser beaucoup d'espace d'un arbre à l'autre. Maintenant, il y a un espace vide au milieu, il faut tout exploiter dans la vie, il ne faut pas laisser du d'espace. Donc on avait l'habitude de planter, comme on avait déjà vu dans les premières Mishnayot, de vu qu'on plantait des malbénotes. Vous savez c'est quoi des malbénotes? Des rectangles, on plantait des rectangles de ça pouvait être de différents légumes, ou de céréales, on faisait souvent des malbénotes à voix, on mettait des... Parce que en général, les céréales et tout ça, ils ne puissent pas profondément leur force. Donc du coup, les oliviers, ils plongent, ils prennent leur force dans les couches inférieures de la terre, et la céréale, elle prend au-dessus. Donc du coup, on mettait souvent des malbénotes, on mettait des carrés, des rectangles, un malbén, c'est un rectangle, des losanges, on mettait des rectangles de céréales entre les oliviers. Donc là, Michel me dit, écoute-moi, si tu as 3 rangées d'oliviers qui sont séparées par des malbénotes, celui du milieu, il n'y a pas de shichecha. Regardez chaque mot, comme ça on a tout compris. Zayit shenimtsa omed, un olivier qui se tient, ben shalosh shurot, entre 3 lignes, shel shnei malbenim, qui est aussi séparé entre 2 malbenim, des rectangles de céréales, Ushchacho, il a oublié cet olivier, et non Shirera, il n'a pas causé comme Shirera, comme nous dit le Barthénora, parce qu'il a été caché par des autres oliviers. D'accord? Ensuite, Zayit Sheyesh Bosataim Ushchacho, et non Shirera. Maintenant, lorsque je t'ai dit que tu oublies qu'il y a aussi une Shirera dans les oliviers, c'est à condition qu'il n'y ait pas une quantité de 2 CA. On avait vu un volume de 248 œufs. Chaque CA, c'est 144 œufs, selon Escalabudo, effacé à Kavlok Beitza, Vav Dalet Vav, ça fait 6 fois 86, ça fait 144, fois 2, parce qu'il y a 2 CA, donc ça fait 288 œufs. Un olivier qui te fournit une quantité d'olives supérieure à 248 œufs, il n'y a pas de shichecha de toute façon, parce qu'à partir du moment où il y a 2 CA, il n'y a pas de shichecha. D'accord? Ensuite, la Mishnah me dit, attention, chaque fois que je t'ai dit que dans des oliviers particuliers, il n'y a pas de shichecha, par exemple, dans la Mishnah précédente, on a vu des oliviers qui ont une importance particulière, ben, metvarim amorim, bisman shelo itrilbo, quand tu n'as pas encore commencé à toucher l'olivier, tu es passé outre. Par contre, aval imitrilbo, si tu as commencé à toucher l'olivier, à en cueillir un petit peu, puis après, tu es parti ailleurs, d'accord, tu as commencé à cueillir,
Mais après, tu as commencé à cuire cet olivier-là. Et puis après, tu es passé à un autre olivier. Alors là, cette fois-ci, il y aura Shichecha. Afilou kezaita netofa bishato, même si c'est l'olivier qui a un nom particulier, que c'est l'olivier qui te donne en abondance de l'huile dans la période, comme on avait dit dans la première Mishnah, et tu l'oublies, malgré tout, yeshlo Shichecha. Il aura de la Shichecha. Tout ce que je dis qu'il n'a pas de Shichecha, c'est parce qu'il a une importance et que tu n'as pas encore commencé à le toucher. Donc c'est comme si tu as sauté, tu as passé outre un champ entier. Comme on avait donné l'exemple dans la Mishnah précédente, que. Quand tu cueilles ton champ, tu oublies quelque chose. Alors là, c'est considéré comme une shichecha. Mais quand tu as sauté un champ entièrement, alors il n'y a pas de shichecha sur un champ entier. Il n'y a pas de shichecha sur quelque chose d'important. Il n'y a pas de shichecha sur un olivier qui a un nom particulier. Mais dès que tu as commencé à entrer dedans, à vouloir à cueillir de ses fruits, et après tu es passé outre, tu as voulu de revenir dessus, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a shichecha maintenant sur cet olivier, parce que tu as commencé à t'en occuper, et tu l'as sauté. D'accord? La Mishnah conclut en me disant maintenant, « Kolzman she yeshlo tartav » Yeshlo Berosho. La Mishnah me dit attention, maintenant il faut bien comprendre, quand on cueille des oliviers, vous savez, il faut grimper sur l'arbre. Alors l'usage il est que je monte sur un arbre, maintenant imagine aussi que la situation, la différence entre l'olivier que tu cueilles et les céréales que tu cueilles. Les céréales tu prends, tu fauches et tu rases tout et puis tu vois tout devant tes yeux. Les oliviers tu vois même pas les olives, tu dois grimper dans les branches. Pour, je vais partir un petit peu sur cette branche-là, partir sur l'autre branche, je vais cueillir, après je vais essayer de grimper un petit peu plus haut, et puis après, vous imaginez comment ça se passe. Donc, en fait, on grimpe sur l'arbre, et on fait tomber les olives par terre, et puis après on ramasse toutes les olives. Imaginez maintenant que je suis monté sur l'arbre, et j'ai commencé maintenant à faire tomber les olives, je pense que j'ai fait le tour, après je redescends, après je me dis, ah mais j'ai oublié de monter après là-bas sur l'autre branche. Est-ce que j'ai le droit de remonter sur l'arbre? Alors là, Michel me dit, bien sûr, kolzman sheyeshlo tartav, yeshlo berosho. Tant qu'il y a des olives sous l'olivier que tu as fait tomber, qu'elles sont encore là, alors c'est le signe que tu n'as pas encore quitté, tu n'as pas encore retiré ta main, tu es encore occupé sur cet arbre, et dans ce cas-là, tu pourras monter chercher si jamais tu as oublié une branche de ce côté ou une branche de l'autre côté, parce que pour le moment, tu n'as pas encore quitté l'arbre. Jusqu'à ce que tu quittes l'arbre, tu as ramassé toutes les olives qui étaient par terre, alors là, maintenant, tu n'as plus le droit de revenir si tu réalises après que tu as oublié une branche qui était là-haut. D'accord? Maintenant, Rabbi Meir Omer, Mishetelech Amachave, Rabbi Meir, il me dit, Rabbi Meir me dit que Mishetelech Amachave, j'ai oublié une seconde, Shabbatek Malaket Bechol Morvazetim. Ah, Rabbi Meir me dit non, il était l'usage dans la cueillette d'olivier, qu'après, une fois que tu avais tout ramassé, il y avait quelqu'un qui passait pour voir si tu n'avais pas oublié des oliviers. D'accord? Alors en général, c'était pour voir si tu n'avais pas sauté un olivier. Mais selon Rabbi Meir, même, tu as le droit même d'avoir quelqu'un qui va venir, qui va passer derrière pour voir, même s'il va voir que dans cet arbre, tu as encore laissé une branche. C'est encore l'usage, c'est la manière de cueillir les oliviers. La halakha n'est pas établie comme Rabbi Meir, parce que nous, on va considérer comme dans la Mishnah, comme on a vu dans la Mishnah à la fin du Pérec précédent, que tu ne peux pas poser comme condition. Une fois que tu considères que tu as tout cueilli, tu ne peux pas revenir chercher ce qui reste. Selon Rabbi Meir, puisque dans les oliviers spécialement, c'est l'usage de d'abord on ramasse, et puis après, c'est un peu comme l'histoire avec les ramasser les gros, et puis après les plus petits. C'est un peu l'idée. Tu ramasses d'abord tout ce que tu vois, puis après, une fois que tu as défriché et que tu as bien enlevé la brique, alors on amène quelqu'un qui a une vue plus perçante, qui sait mieux distinguer, voir qu'est-ce qui a été touché, qu'est-ce qui n'a pas été touché pour voir. Rabbi Meir pense que dans les oliviers, tu peux avoir quelqu'un qui va passer après coup pour vérifier que tu n'as pas oublié un secteur entier, tu n'as pas oublié une branche entière, tu n'as pas oublié un olivier. D'accord? Et dans ce cas-là, sur Rabbi Meir, jusqu'à qu'il passe, que lui-même, qui passe, qui fait l'inventaire pour voir qu'est-ce qu'on n'a pas oublié, une fois que lui, il est passé, si tu as oublié quelque chose, là, c'est considéré comme une shichecha. D'accord? Et la halakha n'est pas établie comme lumière, mais chaque fois que tu as quitté l'arbre, c'est fini. Tu as retiré tes mains de lui. Maintenant, ce qui reste, c'est devenu shichecha. D'accord? Tu as quitté l'arbre, ça implique. Tu as quitté l'arbre, tu as ramassé toutes les olives qui étaient en dessous. Ça y est, c'est fini. Ce que tu as laissé, c'est devenu la shichecha. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de halakha, kol tov, v'salam.